Time is an invisible guide that follows us every day. A minute is as long in Asia as it is in Europe, but it can last forever for anyone waiting for an answer. And decades can feel like seconds for people who remember their past. You can make an espresso in 60 seconds. It takes 60 minutes to fly from Moscow to Kazan. It takes 60 days to grow a flower on your windowsill. Life consists of such little things. Time is the main witness to all events. What's so unique about it? Why, it's the only one here. Excuse me, will you tell me, please? Excuse me, I've enrolled in the first year, and I'm looking for the dean's office. Will you tell me where it is, please? Well then, will you tell us why you've chosen this very university? It'll take you 60 seconds to fall in love with RUDN University. Here are six facts about the university that helped me make a quick decision. Students from 157 countries study, spend free time together, and become lifelong friends. Engineering, natural sciences, medicine, economics, humanities. All fields of study are available at RUDN University. Everyone can choose the career of their dreams. 50 hectares covered with plant life make for a developed, green infrastructure. What's more, RUDN University is the first higher education institution in Russia to have a faculty of ecology. Graduates can obtain degrees in their chosen speciality, in translation, as well as a degree from a partner university. RUDN University has its own flight control center and training and demonstration complex, systems that facilitate exploration of possibilities in satellite space surveys, data monitoring, and processing technology. 5 QS ranking stars in 5 categories: quality of education, international activities, infrastructure, innovation, and social environment. It is really unique. Can you help us with the film? What's it about? About a very important decision taken 60 years ago. Sure, happy to help. Key of knowledge to all the doors of our university. To all hearts. The order for the establishment of the People's Friendship University was signed on February the 5th, 1960. 539 students from 57 countries enrolled in the university. The first People's Friendship University student was Ahmed Murat Taki from Sierra Leone. He had student identity card number 1 and graduated from the Faculty of Medicine in 1966. 1962, the first faculty student games in 6 sporting events. In 1966, the foundations for the future international platform, the main RUDN University building, were laid in southwest Moscow. Since 1978, almost all foreign astronauts have learned Russian from People's Friendship University teaching staff. A little later, a minor planet in the solar system was named Rudruna, after the People's Friendship University. By the 1980s, 90s and 2000s, RUDN University graduates were working all over the world. In 2010, UNESCO recognized the RUDN University's contribution to training staff in developing countries and awarded the university a gold medal. 2020, RUDN is listed as one of the world's best universities. Today, RUDN University unites people of different cultures by knowledge and creates real leaders who make the world better. And now you'll know what one can learn in 60 minutes. Do you know how many hours you will have in 4 years? 17,000. A modular curriculum, individual study plans, professional communities and startups, soft skills, an online distance learning platform, internships and practical training in Russia and abroad, co-working areas, an electronic library. These are just a part of the courses that constitute a system for quality education at RUDN University. We're practicing patients' physical examination, medical procedures and first aid skills. We're carrying out synthesis of heterocyclic compounds. We're learning to drill oil and gas wells. We're trying various roles in judicial proceedings. We're learning how to grow plants with specific properties and qualities in test tubes. We're working as cameramen and presenters.
We're watching the restoration of complex parts using 3D printing methods. We process huge amounts of data here. IUDN University turns dreamers into professionals in 4 years with a bachelor's program. Every 60 minutes is a step forward on your way to a master's or postgraduate program. Seminars, lectures, and exams, that's great, of course. But what about real student life I've read so much about on forums and social networks? IUDN University has a global-scale student life. What are they all preparing for? They're all preparing for the student games. By the way, our university volleyball team trains here. They're champions of Euro Milano, Euro Istanbul, Euro Valencia, Fifth World Inter-Universities Championships, Pula, and Euro Barcelona. Here are our other champions. The 2019 Sumo World Champion and RUDN University Swimming Team. They won the International Universiade and Euro Istanbul in 2018 to 2019. Sport teaches us to set high goals, overcome difficulties, and excel in spite of everything. That is what real leaders do. They strive to achieve the maximum. I'm grateful to RUDN University for the conditions it provided me for doing sport. I don't think they should make any allowances for me. I did my best, and that resulted in reaching my goal, the gold medal. Every year, the RUDN University Student Games are held in 9 sporting events: futsal, swimming, table tennis, arm wrestling, badminton, cross-country skiing, basketball, volleyball, and track and field events. A stadium with a 3,000-strong stand capacity, a football pitch, tennis courts, more than 30 sports clubs, a ski center. Leadership isn't only developed by study, but in the gym as well. But muscle training is not the kind of student life I imagined. I see. Well, imagine Paris. The Eiffel Tower. Champs-Élysées. RUDN University is the only higher education institute in the world where students presented Discover the World in One University Gala Concert. Students from 24 countries presented Asian, African, Middle Eastern, Latin American, and European cultures on UNESCO's main stage. Would you like to be in the Gallery of Stars? Then go to the RUDN University International Culture Center, where you can choose from vocal, theater, and dance studios. You'll speak different languages and doubtless misunderstand each other, but the humor will forge new friendships. Joining a club of cheerful and sharp-witted minds is like traveling the world. Humor is different everywhere, but thanks to the RUDN University team, it becomes clear for everyone. Our team is a 3-time Premier League finalist, the 2006 champion, and the most titled team in the contemporary history of KVN. A true leader feels empathy for people and helps them. If one Earth Hour campaign can change many people's attitudes to environmental problems, can you imagine how many things RUDN University volunteers can change while they're studying at RUDN University? Students in any field can actively participate in a voluntary movement. RUDN University volunteers are involved in Earth Day and our student forest campaigns every year. Promote a healthy lifestyle, help people with disabilities, assist doctors in large events, and work as interpreters. They give their love and care to orphaned children. Every year, they collect letters to Father Frost from the children's homes they support and make dreams come true. More than 70 RUDN University volunteers made the Child Football World Club for Orphans a bright and unforgettable event. 12 female and male teams of teenagers aged 14 to 17 from 21 countries took part in the tournament. The young players were accompanied by RUDN University students, who helped overcome the language barrier, introduced them to Moscow, and became real friends. Once we went to a children's home. We played with the children, conducted a competition, and played them a concert. While we were playing games, the children asked me, "Why are you black? Why aren't you like us?" I laughed, and they did. We laughed together. Then they touched my curly hair.
That touching moment will always be with me. There is always a wide range of choices for RUDN University students about how to spend the next 60 minutes. It is quiet here, but if you listen more carefully, you'll hear that the work is in full swing. Researchers give birth to ideas and make scientific discoveries. July 12, 1964. The State Certificate for Scientific Discovery of Coupling Reactions on Membrane Catalysts was awarded. 1985. A scientific discovery. Properties of metal catalysts in the form of two-dimensional vapor was made by RUDN researchers. Let's go. I'll show you the magic of science. Chemists created smart packaging for food products. It responds to changes in the environment and changes color when the storage conditions are not appropriate. IT specialists developed a method to reduce the load on mobile networks. It will help a large number of devices to connect more quickly to the internet. Engineers use 3D printing to restore complex shape industrial parts. It will significantly increase their life. Geologists suggested a technology for processing waste from mining ore materials. Now gold and other materials are obtained from that waste. Agricultural scientists use tree talkers to monitor green plants. They constantly monitor the sap flow and the condition of the tree. Mathematicians created a mathematical model of blood coagulation to determine predisposition to thrombosis. Medical researchers developed a new method to control the authenticity of drugs. The electromagnetic scattering method creates a digital print of the contents of the package, which will eliminate the possibility of falsification. Any research always starts with the question, what if? It sometimes takes months and years, and sometimes 60 hours to turn an idea into reality and get real results. RUDN has scientific institutes of chemistry, mathematics, modern languages, gravitation and cosmology, nanobiotechnologies, 450 agreements with foreign universities and scientific centers, 11 world-class laboratories in additive technologies, Internet of Things and 5G, medical biotechnologies, synthesis of innovative compounds for medicine, smart technologies of urban ecosystem development. The number of publications by our researchers in international databases has increased from 650 to 3,000 per year in the last 5 years. The RUDN University supercomputer performs at 200 teraflops. It ranks 13th in performance among CIS supercomputers. We perform calculations in the oil and gas industry, geophysics, and civil engineering. Research at RUDN University is both applied and interdisciplinary. Projects at the intersection of disciplines make the future of science. Science is, of course, tempting, but I won't be able to stay in a laboratory all the time. I like traveling. Then let's talk about clusters. Clusters are a new model of international cooperation. The RUDN University unites the experience and resources of Russian higher education institutions and companies, promotes technology on foreign markets, and implements industrial, scientific, and educational projects. Today, RUDN University prevents thematic clusters, ecology and sustainable development, urban soils, and research into infectious and viral diseases. I'll tell you about them using the example of Wasteless Namibia Project. Household solid waste, in other words, rubbish, does irreparable harm to the environment. The government of Namibia has set a goal to build waste incineration plants to make energy from waste. And what does that have to do with RUDN University? First, RUDN University manages the project. It promotes Russian equipment, conducts negotiations with suppliers, and provides targeted training for about 200 engineers and environmental specialists. Similar projects are underway in Angola, Zambia, and Ghana. Do you suggest I travel around Africa? It can take 60 hours to fly around the globe. Look at the map. RUDN University has partner organizations all over the world.
Double diploma and exchange programs with leading universities of the world provide an opportunity to study in two countries and obtain two degrees, one from our UDN and one from a partner university, to learn foreign languages and get acquainted with other countries' cultures. Language internships, taking part in international conferences, practical training in foreign companies, friends from other countries. There are many reasons and causes to travel. Our UDN University doesn't only provide conditions for its students to travel around the world. We also do our best to encourage talented and gifted young people from all over the world to come to us. Our UDN University has already launched 30 subject-oriented classes and Russian language centers in 22 countries. Each year, our UDN conducts Olympiads in 8 languages to attract talented students to the university. All winners are provided with free accommodation, free training and a scholarship. Olympiads have been held in 25 countries, with more than 9,000 participants. Students from more than 50 countries come to study in summer and winter schools every year. The most popular subjects are agronomy, Russian, and law. Planes, trains, and hitchhiking aren't the only ways to travel. You can do it without ever leaving the campus. Since 1987, the Planet Southwest Festival has been held in the RUDN University Square, featuring masterclasses in national cuisines, humorous melodies, and playing various musical instruments, as well as exhibitions by student associations. It'll take 60 months to obtain a degree. And then what? Then you'll become a real leader and professional. You'll start to change the world around you. No matter which part of the world you're in, your university will always be with you. Let's go. I'd like to introduce you to someone. Are you a graduate student? I am. I'm in the last year of the Institute of Medicine. Where are you planning to work? To be honest, I'd like to work in Central America. There's a vacancy for a research officer at a vaccine factory in Nicaragua. Great. If possible, I'd like to try. Well, wait. Is that so easy? How does it work? The career section on the RUDN University website has all the vacancies in open access. We also suggest all students and graduates send their CVs to our office, and we will find job options. A wide alumni network resulted in the establishment of the International Employers Club. It unites business, education, and young specialists. The club for RUDN University diplomatic alumni and friends was founded in 2018. It helps with career guidance and employment for international graduates and strengthens corporate unity between university alumni from different years. The most ambitious and bold plans become real at RUDN University. The RUDN family has over 200,000 graduates working all over the world. RUDN has united different worlds and created its own universe within one university. Spend 60 seconds taking a decision to enroll in the most international university of Russia. Spend 60 minutes on looking for friends and colleagues from all over the world in one place. Spend 60 hours on studying a subject in the best conditions. Spend 60 months on making a new scientific discovery. Spend 60 years on making a better version of yourself. Time is an invisible guide that follows us every day. One very important decision was made 60 years ago. Est en contact. Est-ce que tout le monde nous attend et nous voit ?
J'ai l'honneur aujourd'hui de faire guider cet événement qui a réuni aujourd'hui des représentants nombreux de pays africains, des ambassadeurs, des recteurs, des présidents et membres d'associations, des anciens étudiants et candidats à l'université Rodéen. Le sujet de notre table ronde d'aujourd'hui, comme vous le savez, est la campagne d'admission 2020, ouvrir le monde dans une université. Permettez-moi d'abord de donner la parole à vice-recteur de l'université Rodéen, qui est également la présidente de INCORVUS, Ефремова Лариса Ивановна, s'il vous plaît. Merci. Добрый день. Bonjour, chers candidats. Je vais parler russe. La langue avec laquelle peut-être vous aurez l'occasion de faire vos études en Russie. Au-delà de notre salle, il y a des représentants des missions russes diplomatiques qui parlent russe, français, brillamment. Et pour nous, ils sont ceux qui nous aident à communiquer, à relier nos pays, nos cultures et nos formations. Au-delà de notre salle, il y a les promus de notre université connus dans le monde entier. Aujourd'hui, ce sont des gens émérites dans la politique, aux affaires et à la science et dans d'autres domaines. Je voudrais de votre part saluer l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en République de Guinée et Sierra Leone, Vadim Vladimirovich Razumovsky. Je voudrais de votre part aussi saluer ex-ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Rwanda, un ancien élève émérite de notre université, très connu, qui a terminé la faculté des relations internationales, Madame Jeanne d'Arc. Je ne vous vois pas, mais je sens que vous êtes prêts. Je salue nos anciens élèves du Bénin, des Seychelles, du Cameroun, de Côte d'Ivoire et de beaucoup d'autres pays. Voilà, je vous vois, Jeanne d'Arc. Je suis très heureuse de vous voir. Nous sommes séparés d'une grande distance, mais dans notre âme, nous sommes prêts. Notre sujet, c'est vous raconter quel est l'état de la formation en Russie et concrètement en notre université Rodéen. L'Afrique, pour nous, est la région numéro un. Du moment de la création de notre université, les premiers élèves, c'était les jeunes gens des pays africains. On a donné à eux une possibilité de recevoir une bonne formation et devenir des gens émérites et nécessaires pour leur pays. Pour l'Afrique, nous avons préparé plus de 15 000 anciens élèves. Il y a les pays leaders, Nigérie, par exemple, Angola, Namibie. Si vous allez regarder la géographie actuelle, parmi tous les ressortissants du continent africain, nous avons les représentants de 54 pays. Ils sont plus de 1500. Vous ne pouvez trouver aucune université russe où sont représentées une telle quantité des élèves africains. Aujourd'hui, on a beaucoup de représentants de la République sud-africaine. Ces gens vont devenir des médecins, des agriculteurs. Les gens de Rwanda qui choisissent les spécialités techniques et ensemble avec nos experts, ils vont soulever leur économie, développer les sciences nucléaires, la formation nucléaire et tout le domaine. J'espère que vous, qui sont derrière nos cadres, vous allez choisir l'université la plus amiable au monde, la plus connue, parce que ici, vous pouvez voir les gens
de 158 pays du monde. Vous pouvez voir devant moi les drapeaux de tous les pays représentés à l'université. J'espère aussi que beaucoup parmi vous, malgré les problèmes de pandémie, de restrictions, les problèmes de nos économies, de nos leaders, nos pays, mais quand même vous allez pouvoir venir à Moscou et pouvoir faire vos études. Si la pandémie ne permettra pas de venir physiquement, l'université est prête à vous éduquer en ligne. Il y a la faculté préparatoire numérique, il y a les programmes de préparation en anglais. C'est pourquoi mes collègues vont vous parler de notre université. Mais les collègues avec lesquels j'ai travaillé dans différentes structures de pouvoir vont pouvoir vous raconter ce que représente la Russie, ce que représente RDN pour nous. Bienvenue en Russie, à Moscou, même à une telle distance. Merci à vous. Aidera nos collègues à mieux comprendre le rôle et les objectifs de notre université. Maintenant, permettez-moi de passer la parole à Son Excellence l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République de Guinée et de la République de Sierra Leone, Vadim Vladilenovich Razumovski. S'il vous plaît. Chers collègues, chers participants à notre table ronde virtuelle, ceci est un grand plaisir pour moi de me retrouver sur l'écran au sein du paysage familial de RDN, de voir quelques visages familiers. Par exemple, avec Madame Yefremova, si la mémoire ne me trahit pas, nous avons participé ensemble à une conférence de l'UNESCO en 2005 sur le sujet l'éducation. Et avec Madame la ministre, ex-ambassadrice, nous avons été ensemble à une réunion ici à RDN fin 2018. Et réunion présidée d'ailleurs par le retour M. Philippot. J'ai étudié avec beaucoup d'attention le programme de notre table ronde. Il me paraît parfait, presque parfait. Je n'y vois qu'un seul défaut. Il y a tant de nationalités, tant de pays de l'Afrique de l'Ouest qui participent. Burkinabé est là, un Béninois est là, je vois aussi l'Ivoirien, tout le monde, sauf un orateur guinéen. Donc, dans les mesures de mon possible, je vais essayer de combler les lacunes et représenter le pays de mon accréditation. Chers collègues, force est de constater que l'université Lumumba, une fois de plus, prouve que cet établissement se tient à l'avant-garde des institutions éducatives de notre pays, au moins en ce qui concerne la formation des étudiants étrangers. Lumumba, j'en suis certain, est prêt à faire face aux défis du XXIe siècle. À savoir, il propose une nouvelle formule, la formule de l'éducation digitale. Pour la Guinée, cette formule est tout à fait adéquate. Madame Алия Ильязова, attaché aux questions humanitaires de notre ambassade, qui est à côté de moi, sera tout à fait d'accord avec moi. Bien sûr, il faudra encore s'adapter aux nouvelles urgences, que c'est les avantages et les mésavantages. De notre part, je vous signale que nous, l'ambassade, nous avons tenu à convier
à cette discussion les boursiers de Taguinien, les boursiers de cette année-là qui espèrent entrer à l'ODN. Je suis convaincu que cette participation sera très utile pour eux. Pour conclure et pour compléter mon bref exposé, j'aimerais vous dire que nous, ici en Guinée, nous avons toute une association des anciens diplômés guinéens qui ont fait leur études dans les universités soviétiques et russes. Parmi eux, bien sûr, aussi les premiers de l'université Patrice Lumumba. Donc, c'est l'heure d'engager une discussion ouverte, franche, sur les opportunités qu'offre l'université. Bon courage, chers collègues. Bonne continuation à vous tous. Merci. Merci, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. J'ai maintenant un honneur spécial de donner la parole à l'ancienne étudiante excellente de l'université Rouen, ministre de l'Environnement de Rwanda, ancienne ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Rwanda auprès de la Fédération de Russie, Jeanne d'Arc Mujavamariya. S'il vous plaît, madame. Merci beaucoup, Excellence, Mesdames et Messieurs, cher vice-recteur de l'UDN, chargé des affaires internationales, Madame Larissa Efremova, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Russie en Guinée, Honorable Vadim Razumovski, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, anciens étudiants de notre chère Université russe de l'amitié du peuple, Добрый день, bonjour. Je suis très ravie que vous m'avez donné cette opportunité de saluer les participants à cette table ronde qui discute sur les progrès de l'université et la démission des étudiants étrangers à l'UDN pour l'année qui vient, donc l'année 2021. D'abord, je tiens cette occasion pour remercier l'université qui cherche toujours, qui cherche jour et nuit à ce que la vie de tous les étudiants soit meilleure. C'est ça l'Université russe de l'amitié du peuple. Je profite de ce moment pour parler à nos étudiants qui sont à l'UDN et les étudiants qui veulent regagner l'UDN. Que notre université, notre chère université Rouen, nous a formés et c'est l'université Rouen qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Je profite de dire aux candidats qui veulent être dans notre chère université que notre université cherche toujours et doit toujours continuer à être la lumière et le salut de notre peuple, le peuple africain, le peuple du monde qui se sacrifie pour que nous puissions être là où nous sommes, là où vous êtes, chers étudiants. Et de l'université qui donne tout pour le succès de tous les étudiants qui sont dans cette université. Donc, c'est une université qui forme des patriotes. Je profite aussi de cette occasion pour vous dire, chers candidats à l'UDN 2020-2021, ce que l'UDN m'a appris. L'UDN m'a appris à être beaucoup plus patriote que j'étais avant, parce que j'ai
regagné l'UDN à 19 ans. Quand j'étais à l'université de l'UDN, je n'avais que 19 ans. Donc, à 19 ans, j'ai appris à être patriote, à être combattante. L'UDN, c'est une université qui ouvre des portes et les esprits des jeunes, filles et garçons, sans distinction. Pour les jeunes aujourd'hui, votre esprit de patriotisme est crucial pour votre performance. Parce que pour le moment, le monde est tourmenté par la pandémie de COVID-19. Donc, l'esprit de patriotisme est l'une des meilleures qualités que les jeunes doivent avoir. L'amour pour les autres, l'amour pour votre patrie, l'affection de votre pays, que vous soyez candidat à l'UDN, que vous soyez étudiant à l'UDN, l'affection de votre pays et l'esprit qui pousse d'agir pour l'honneur de ton pays, qui te pousse à réussir et avoir ton diplôme, pourquoi pas le diplôme rouge. Et ce diplôme doit être accompagné de connaissances. C'est ça le patriotisme, chers frères et sœurs. L'esprit qui doit te pousser à protéger ton université, l'UDN. L'esprit qui te pousse à protéger ton pays contre la propagation de la pandémie de COVID-19. Qui te souffle que tu ne dois pas être l'origine de la propagation de la pandémie. C'est ça le patriotisme, chers frères et sœurs. La motivation au travail, l'esprit d'unité et d'amitié, l'esprit de sacrifice pour la fierté et l'honneur de nos pays. C'est ça ce que l'UDN m'a appris. En fait, j'ai terminé la faculté des sciences appliquées. Je n'ai pas terminé les relations internationales. Cet esprit de patriotisme m'a poussé à aller selon les lignes directives que les dirigeants de notre université nous donnaient. Cet esprit de patriotisme qui pose la notion d'unité et de fraternité, il élève l'esprit de tous sacrifiés pour la fierté et l'honneur de nos nations. Donc, il est nécessaire de construire une nation autour de l'université de l'amitié du peuple. C'est une nation et nous venons de différents pays pour construire une nation de connaissances, une nation sûre et fraternelle. C'est ça que l'UDN m'a appris. Donc, chers frères et sœurs, Madame la vice-recteure, je tiens à remercier l'Université de l'Amitié du Peuple, l'Université russe de l'Amitié du Peuple. Et je tiens à dire à tous nos compatriotes, à dire à tous les Africains, à tous les ressortissants du monde, que c'est l'université qu'il faut vraiment espérer avoir une bonne éducation qui te guide dans la vie que tu vas mener, soit en étant à l'université, soit en étant en dehors de l'université. C'est une université qui te donne tout ce dont tu as besoin pour être un bon citoyen de votre pays. Donc, chers frères et sœurs, chers Africains,
Tant que vous serez à Rodin, vous n'allez jamais regretter le pas que vous avez affranchi pour mettre votre pied à Rodin, à Micro-Macraya, à Algenikiz. Donc, c'est une université qui va vous pousser à aimer votre pays en montrant dans vos actions ce que vous avez appris à Rodin. Donc, chers frères et sœurs qui sont à Rodin maintenant, étudiez, mais pensez à regagner l'Afrique. Aimez votre pays et montrez-le dans vos actions. Так что я могу по-русски любить свою страну и покажите ее в своих действиях. И ваша страна будет любить в ответ. Merci pour votre aimable attention et longue vie et prospérité à notre aimable université russe de l'amitié du peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour vos aimables paroles. J'espère que les gens qui vous écoutaient étaient attentivement et suivant vos conseils. Il est maintenant temps d'entendre la présentation du service des pays d'Afrique du département de recrutement et d'accompagnement des étudiants étrangers. Et je donne la parole à un représentant de ce service, diplômé de l'Université Rodin, dans le domaine relations internationales, Makouachev Astemir Rachidovich. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour, merci. Bonjour, chers collègues, chers participants. Dans cette présentation, je voudrais vous parler de notre université et du processus d'admission. Следующий слайд, пожалуйста. Rodin comprend 10 instituts, 6 facultés, une académie et une filiale à Sochi. Chaque faculté, institut ou académie à Rodin est unique. Par exemple, à l'Institut de l'économie et des affaires mondiales, forme les spécialistes qui peuvent décider les questions de sécurité économique nationale et internationale, revêtant une importance particulière dans les conditions actuelles de la pandémie. Следующий слайд, пожалуйста. Notre université a été établie par l'arrêt du gouvernement de l'URSS du 5 février 1960. De 1961 à 1992, le nom officiel de l'université était l'Université Patrice Lumumba. En 1965, les premiers 228 jeunes spécialistes venus des 47 pays ont été diplômés. C'est de chez Slide First. Dans cette page, vous trouverez nos facultés, instituts et académies. L'Université russe de l'amitié des peuples forme des spécialistes dans différents secteurs. Dans notre université, vous pouvez étudier pour le docteur, le juriste, l'ingénieur, etc. Следующий слайд, пожалуйста. Ici, vous pouvez voir nos programmes d'éducation. Les étudiants ont la possibilité de choisir les programmes en langue étrangère, 3 programmes de spécialistes, 35 programmes de master et 35 programmes de doctorat. En général, à Rodin, il y a plus que 1900 programmes de formation supplémentaires. Следующий слайд, пожалуйста. Cette page vous montre les programmes accrédités à l'international. Top 5 programmes de baccalauréat sont sciences juridiques, gestion, économie, linguistique et publicité et relations internationales. Top 5 programmes de master sont théorie et projection des bâtiments et construction, technologie d'automatisation dans le génie mécanique, gestion des communications d'information et systèmes intelligents, chimie fondamentale et appliquée et gestion financière dans les secteurs économiques. Следующий слайд, пожалуйста. Notre université a plus que
250 de coopération avec des universitaires et des centres scientifiques étrangers en Europe, Afrique, Asie, etc. Следующий слайд, пожалуйста. Les programmes conjoints sont aussi présentés à Rouen. Nous avons 150 programmes conjoints, par exemple Société d'État Rostec, en Russie, les laboratoires Servier en France, Cantil Transnational en Grande-Bretagne, etc. Следующий слайд, пожалуйста. Notre université est une des organisations parentes des universités de réseau de la CEI. Следующий, пожалуйста, слайд. En 2008, sur la base de la RUDN, a été mis en place le rectorat de l'université de l'Organisation de coopération de Shanghai. Следующий, пожалуйста. Dans cette page, vous pouvez voir où les centres de l'INGRUS et classes de profil sont présentés. Les pays africains où les classes de profil sont présentées sont Namibie et Zambie. Следующий слайд, пожалуйста. RUDN organise les Olympiades internationales pour les citoyens étrangers en différentes matières et en différentes langues. Les gagnants des Olympiades obtiennent formation à la RUDN au détriment du budget de la Fédération de Russie, bourse d'études, bourse mensuelle supplémentaire de 401 $ par mois pour le programme RUDN Brilliant Student. Hébergement dans une auberge confortable et moderne. Следующий слайд, пожалуйста. Notre université peut être fière parce que nous avons un assez grand nombre d'étudiants étrangers. Nous avons 5 communautés nationales des étudiants. Nos étudiants ont les traditions, par exemple rencontre de meilleurs étudiants, ceux qui ont réussi à avoir la note excellente pendant 10 semestres de voie, remettre des diplômes et reçoivent des bourses. La meilleure des meilleures sont ensuite reçues par le recteur lors d'un déjeuner amical, mais la grande intrigue de la journée est la voiture à gagner. Следующий слайд, пожалуйста. L'université russe de l'amitié des peuples est une université où vous pouvez choisir le sport qui vous va plus. Nous pouvons vous présenter une stat avec 3000 places, un terrain de gym ouvert, un terrain de basketball, un terrain de volleyball, un terrain de foot et beaucoup d'autres choses intéressantes. Следующий слайд, пожалуйста. Le campus de notre université est situé dans la capitale de Russie, Moscou. La Cour mondiale Greenmetric estime campus RUDN comme le plus vert en Russie. Следующий слайд, пожалуйста. Cette page vous montre position au classement de RUDN. Selon la cote mondiale QS, RUDN occupe 392 places, deuxième place, en monde. Следующий слайд, пожалуйста. Voilà les pays africains qui ont le plus grand nombre d'étudiants à notre université. En général, nous avons 1200 étudiants de 42 pays africains. Следующий слайд, пожалуйста. RUDN peut être fier de ses diplômés. Nous avons diplômé de tous les pays d'Afrique. Le nombre total de diplômés est 9279. Следующий слайд, пожалуйста. Ici, vous pouvez voir les associations des diplômés avec lesquelles des contrats de coopération ont été signés. Nous espérons que le nombre des associations va progresser. Следующий слайд, пожалуйста. Dans cette page, vous pouvez voir les programmes éducatifs les plus demandés dans la campagne d'admission en 2019. Следующий слайд, пожалуйста. Vous pouvez vous présenter de deux manières. Le premier est d'envoyer les documents directement à notre université par mail. Le deuxième est de remplir un formulaire de demande sur le site officiel. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans ce chat.
et nous allons vous répondre tout de suite. Следующий слайд, пожалуйста. Nous espérons que cette information vous sera utile. Nous serons heureux de vous voir à l'Université russe de l'Amitié des Peuples, où vous pouvez découvrir le monde en une université. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie, Astemir Rachidovich, pour votre présentation qui était claire, concrète et compréhensible. Merci beaucoup. Chers collègues, nous avons écouté des interventions, nous avons vu et écouté une présentation, et maintenant je porte à votre attention une démonstration vidéo sur l'Université Rudéenne, qui est appelée Rudéenne Université 6.0. Cette émission sera en français, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la RDN? Un univers de connaissances et beaucoup d'emplois. Des étudiants du monde entier, des programmes de double diplôme et des stages, des projets de recherche et de laboratoires scientifiques, le sport et un mode de vie sain, des nouveaux amis et une vie étudiante bien remplie. La RDN est diversifiée. C'est académique, global, axé sur la recherche, athlétique et jeune. Chaque sa partie est tout un monde, le monde que vous aimeriez explorer. L'Université Rudéenne accueille les rêveurs, enseigne aux enthousiastes et diplôme les professionnels. C'est un système d'éducation à plusieurs niveaux. 5 facultés, 11 instituts, une académie et 500 programmes éducatifs vous permettent de choisir votre emploi de rêve. Le choix vous appartient. L'approche standard de la formation n'est pas ce que nous faisons à la RDN. Notre nouveau concept de l'enseignement à l'apprentissage implique une pensée créative, un apprentissage de la maîtrise de soi, une utilisation des matériels audio et vidéo qui créent des conditions confortables pour un travail indépendant. Certes, les enseignants jouent un rôle majeur dans la formation. Des experts et des mentors expérimentés vous guident tout au long du processus d'apprentissage. En plus d'un diplôme universitaire, la RDN offre un diplôme d'interprète. Vous pouvez obtenir un autre diplôme d'une université partenaire, car nous collaborons avec les meilleures universités du monde sur plus de 130 programmes conjoints. Plus de 100 000 spécialistes ont déjà été diplômés de l'Université Rudéenne. En ce moment, imaginez seulement, nous formons des représentants de 500 ethnies et nationalités de plus de 150 pays. L'Université Rudéenne recherche soutien des étudiants talentueux du monde entier en développant des concours académiques sur différents sujets. Gagner des concours de la Rudéenne vous permet d'obtenir une éducation gratuite ou subventionnée. RDN vous offre l'opportunité d'étudier l'une des 12 langues étrangères. Cela vous aidera à vous connecter et à mieux comprendre qui que se doit dans le monde. Chaque étudiant de la RDN est un ambassadeur de la culture de son pays. Des groupes de danse, des festivals de nourriture et des semaines nationales ouvriront les frontières entre les différentes cultures et rassembleront des étudiants du monde entier. L'Université RDN est une grande famille multinationale dans laquelle chacun peut trouver sa place. En sciences, par exemple. Les technologies additives, la conception moléculaire, l'innovation dans la distribution de médicaments, les systèmes spatiaux, la technologie 5G et bien d'autres encore. La RDN offre de nombreuses opportunités pour réaliser son potentiel scientifique. L'Université RDN a des domaines prioritaires qui se développent constamment. Des jeunes scientifiques conçoivent des voitures de course, étudient des systèmes sans pilote, surveillent les ressources naturelles, étudient les problèmes de la migration mondiale, protègent les droits de l'homme et sont impliqués dans le travail de sélection. La RDN offre toutes les possibilités de faire des recherches qui aideront à rendre le monde meilleur. Ici, à l'Université RDN, un jeune étudiant passionné peut devenir un jeune scientifique prometteur, tout en pratiquant le sport pendant son temps libre. À l'Université RDN, le sport n'est pas juste un mot, c'est une manière de vivre. Nos étudiants jouent au tennis, au football, au basketball et à toutes sortes de sports. Nos athlètes sont les vainqueurs des compétitions internationales d'étudiants en natation, tennis et volleyball. L'Université RDN organise ses propres championnats mineurs dans divers sports parmi les étudiants d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.
La RUDN est une université qui vous aide à fixer vos objectifs, de surmonter les obstacles et gagner. Et partagez vos victoires avec des amis. La vie d'un étudiant de la RUDN comprend des festivals et des semaines nationales, des ateliers de théâtre, de danse et de chant, des clubs de lecture de poésie et sa propre chaîne de télévision. Notre campus est l'un des meilleurs en Russie. Il accueille plus de 8000 étudiants et dispose d'un grand parc, d'une fontaine, de dortoirs confortables, de passerelles et de cafés nationaux. Et c'est très sécurisé. La RUDN est synonyme de connaissances, de compétences, de carrière et d'amis. Ensemble, nous pouvons apprendre, nous amuser, grandir et entrer dans un avenir positif. La RUDN est la partie de votre vie que vous n'oublierez jamais. Rejoignez-nous pour découvrir le monde entier dans une université. Chers collègues, j'espère que cette courte vidéo vous a été utile et intéressante. Moi-même, j'ai regardé avec intérêt entre nous. Maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole au professeur de l'Université RUDN, vice-doyenne de la faculté de philologie de l'Université Ebzieva, Yulia Nikolaevna. S'il vous plaît, madame. Merci beaucoup. Alors, ma présentation. Alors, chers collègues, chers intervenants, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de la faculté préparatoire virtuelle à RUDN. Первый слайд, пожалуйста. La faculté préparatoire virtuelle, c'est un modèle international d'enseignement qui fut mis au point à l'Université RUDN pour permettre la formation des étudiants étrangers. Vous savez très bien que l'Université RUDN possède des capacités uniques. Je tiens à souligner que c'est à RUDN qu'on trouve 280 enseignants de russe langue étrangère qui avaient déjà appris le russe aux représentants de 160 pays du monde. C'est bien cette ressource puissante qui nous permet de réaliser ce projet qui porte le nom de faculté préparatoire virtuelle. Je crois que vous savez également que tout étudiant doit avoir une bonne maîtrise de la langue russe pour pouvoir faire une formation dans une université russe. Traditionnellement, les étudiants étrangers qui n'ont pas encore cette maîtrise s'inscrivent d'abord à la faculté préparatoire dans une des universités russes pour justement apprendre la langue russe. La faculté préparatoire virtuelle de RUDN permet aux étudiants étrangers de se former en langue russe sans quitter son pays pour ensuite s'inscrire en formation à l'université russe qu'il choisit. Ceci devient possible grâce au système virtuel, à des cours en ligne et conférences interactives réalisées sur la plateforme éducative. Второй слайд, пожалуйста. Да, вот его, его, назад, назад. Ага. Le programme de base de la faculté préparatoire virtuelle comprend 9 modules. 4 modules de base en langue russe. Module obligatoire qui permet de maîtriser la phonétique, le niveau élémentaire, débutant et enfin arriver au niveau B1 de certification. Et 3 modules options où l'étudiant a 3 des 8 modules à choisir. Mathématiques, physique, chimie, biologie, histoire, sciences sociales, littérature et informatique. Le choix de ces 3 modules dépend alors de la future profession choisie par l'étudiant. Par exemple, si l'étudiant choisit de devenir médecin, il va falloir qu'il choisisse la chimie, la biologie et la physique. Soit si le choix est de devenir homme politique, alors l'histoire, la science sociale et la littérature seront nécessaires. Un module discours académique. L'étudiant choisit parmi les 5 profils. Sciences naturelles, médecine et biologie, économie, sciences humaines et ingénierie.
un module culture. Ce module sert à aider l'étudiant étranger à s'intégrer plus facilement dans le nouveau milieu social et culturel. Dans cette diapo, vous pouvez voir le schéma qui présente le contenu du programme de formation virtuelle. Ce qui est très important, c'est que l'étudiant aura 10 heures de cours par semaine avec un professeur. La pratique de la langue, le russe parlé avec le locuteur natif, est également prévue tout au long de la formation. Toute la formation reste virtuelle. À la fin de la formation, l'étudiant se présente à l'épreuve finale et obtient le certificat qui atteste du niveau de la langue russe et de la maîtrise des disciplines nécessaires pour s'inscrire en formation universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur en Russie selon les standards nationaux. Пожалуйста, следующий слайд и видео. Alors, si vous permettez, je ferai la démonstration d'un cours sur la plateforme virtuelle. Видео. Les étapes d'inscription à la faculté préparatoire virtuelle avec le dossier à fournir par l'étudiant. L'étudiant remplit la demande d'inscription sur website, sur le site internet, se fait conseiller par un coordinateur du projet, se présente à un cours d'essai avec un enseignant sur la plateforme en ligne et effectue le paiement des frais de la formation et commence les cours. Следующий слайд, пожалуйста. La formation à la faculté préparatoire virtuelle reste bien avantageuse. Alors, quels sont ses avantages? Plus pratique qu'un campus universitaire. La formation en langue russe depuis tout coin du monde. Il suffit d'avoir la connexion internet et s'y connecter par un ordinateur, une tablette, un téléphone portable. Les élèves des écoles et les étudiants peuvent se former en langue russe en même temps qu'ils terminent leurs études au pays sans se déplacer. Deuxième avantage, soutien personnel. Tout étudiant sera accompagné par un coordinateur du projet tout au long de la formation. Troisième avantage, moins cher que la formation en Russie. L'enseignement en ligne est 2 fois moins cher que la formation à la faculté préparatoire en Russie. Pourtant, la qualité de la formation et la possibilité d'avoir des cours avec les natifs restent les mêmes. Plus de 12 heures de cours avec les enseignants natifs par semaine. Et enfin, des privilèges lors de l'inscription en formation à l'université. L'étudiant obtient un certificat à la fin de la formation. Pour ceux et celles qui souhaitent s'inscrire en formation à l'université Rudaine, il y a la possibilité d'avoir 10% de réduction sur les frais de la formation. Le soutien visa est également prévu. Cours d'essai gratuit.
avant de procéder à l'inscription, tout étudiant a la possibilité de poser des questions à son coordinateur. En plus de cela, les enseignants de Ruden offrent un cours essai lors duquel l'étudiant pourra se faire l'idée de la langue russe et du système d'enseignement en ligne mis au point sur la plateforme virtuelle. Alors, c'est tout. Merci de votre attention. Et si vous avez quelques questions, bien sûr, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Merci bien. Je vous remercie, Yulia Nikolaevna. Votre présentation était vraiment brillante, claire et nette. Maintenant, pour mieux comprendre cette faculté virtuelle ou numérique, maintenant, vous verrez une démonstration vidéo sur la faculté préparatoire numérique de Ruden. S'il vous plaît, пожалуйста, ролик. Est-ce que vous voulez faire vos études en restant chez vous? Maintenant, c'est possible. La faculté préparatoire électronique de l'université vous aidera à vous sentir une vraie personnalité moderne quand il s'agit de la formation par des moyens techniques et logiciels modernes. Recevoir un enseignement à une certaine distance de l'espace de formation à l'aide des professeurs russes bien confirmés, sans quitter votre bureau ou domicile, bien sûr. Suivre une formation dans des endroits différents à la fois et savoir comparer ces formations. Mettre au point votre itinéraire éducatif individuel. Recevoir une formation dans un lieu et à un moment approprié. Nous avons pris aussi en considération les particularités de formation des personnes handicapées. Un apprentissage efficace de la langue russe et aussi des matières dont vous aurez besoin pour continuer votre formation en métier choisi. Voilà ce que c'est la faculté préparatoire électronique de l'université. Si vous suivez avec succès un programme de formation, vous recevrez un document rédigé sur un formulaire préétabli avec lequel vous pourrez continuer votre éducation à Ruden ou dans tout autre établissement supérieur de la Russie. Et aussi un certificat officiel confirmant votre niveau de maîtrise de la langue. Rejoignez notre grande famille estudiantine et vous ne le regretterez pas. Merci beaucoup. Pardon. J'espère que cette courte vidéo n'a pas seulement été intéressante pour vous, mais aussi utile. J'espère maintenant, nous avons passé à intervenant suivant. Je donne maintenant la parole au président du Centre pour le développement des affaires et de la coopération avec la Russie, Odunlami Serge Fokas. S'il vous plaît, monsieur. Allô, bonjour. Je tiens à remercier d'abord les autorités de l'Université russe de l'Amitié des Peuples. J'espère que vous m'entendez, hein, puisque je ne sais pas si mon micro... Oui, ça fonctionne. Donc, je tenais à remercier les autorités d'abord de l'Université russe de l'Amitié des Peuples roudienne, parce que je suis aussi un produit de cette université. J'étais venu comme tout autre, comme l'ancien ambassadeur du Rwanda, en Russie, étudier. Je ne maîtrisais pas la langue russe. Et les quelques années que j'ai fait dans cette université, j'ai eu la chance d'apprendre une nouvelle langue qui m'a servi de langue de formation. Les années de formation, j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui se sont donnés pour que cette formation soit de qualité. Et une fois que la formation
terminé. J'ai eu à faire quelques années de pratique, j'allais dire, de stage en Russie, où j'ai eu la chance de tomber sur des partenaires russes avec lesquels je me suis mis ensemble. Et aujourd'hui, en Afrique, nous essayons quand même de faire la promotion de la Russie. Hormis tout ce que nous faisons aujourd'hui en Afrique comme activité, je parle du business, il n'y a pas longtemps, nous avons décidé, c'était mon initiative, de créer en Afrique de l'Ouest un centre pour le développement des affaires et la promotion de la Russie et la coopération de la Russie. Et au sein de ce centre, en juin dernier, nous avons eu à créer un département qui sert d'accompagner les étudiants béninois, africains en général, qui souhaitent venir en Russie, se faire former et revenir servir leur pays. Et je peux dire que, vu les intervenants précédents, j'ai vu que l'Université russe de l'Amitié des Peuples a eu à insérer de nouvelles méthodes de formation, et je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons essayer de véhiculer ce message au sein autour de nous, surtout, j'allais dire, les étudiants qui viennent nous voir dans notre centre, qui s'intéressent à se faire former en Fédération de Russie. Je pense que la formation de l'année préparatoire via le net est une très bonne chose, et ça pourra aider nos apprenants, avant de venir en Russie, d'avoir déjà une bonne base de la langue russe, et ça pourra les aider rapidement à s'adapter et à bien faire leurs cours. Je ne voudrais pas répéter tout ce qui a été dit en ce qui concerne la promotion de l'université. Je suis aussi un produit de cette université. S'il y a des intervenants ici qui souhaitent venir étudier en Russie, je peux dire que c'est un bon choix, l'université roudienne. Et je profite aussi pour dire aux autorités qui sont présentes sur cette table ronde que nous travaillons déjà avec des universités de la Russie. Mais moi, étant produit de cette université, il n'y a pas encore cette coopération avec l'université roudienne. Et je souhaiterais et j'espère qu'après cette table ronde, le contact sera pris et nous essaierons de tout faire pour promouvoir notre université dans nos pays et de tout faire pour stimuler nos compatriotes qui veulent se faire former, qui choisissent aussi roudienne comme université. Merci. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, chers amis, avant de donner la parole à l'intervenant suivant, je voudrais passer la parole à Astemir Makouachev, parce que nous avons déjà reçu quelques questions et monsieur Makouachev est prêt à répondre à ces questions. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Donc, nous avons reçu une question concernant les programmes d'échange des étudiants. Oui, c'est possible. Il y a deux façons de le faire. C'est le premier est le programme qui s'appelle Erasmus+, et le deuxième est par le programme de mobilité académique. Donc, mais ça dépend de faculté, quelle faculté vous choisissez, quelle spécialité, quel sujet. Donc, pas tous les sujets, ils n'ont pas les programmes d'échange. Donc, il faut vérifier, vous pouvez nous écrire par mail quel sujet est intéressant pour vous et nous allons vous répondre si c'est possible, si vous pouvez étudier par exemple en France et en Russie, si vous pouvez recevoir un diplôme de master de France et de Russie, et tout ça. Donc c'est tout. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Astemir. J'espère que nos jeunes collègues vont étudier plus attentivement les programmes de l'université pour choisir non pas seulement la spécialité qu'ils vont obtenir, mais également les possibilités de prendre participation, de prendre part dans l'académie, dans la mobilité académique. Maintenant, je crois que nous pouvons passer à continuer notre programme. Donc, je donne la parole à un membre d'association des diplômés ivoiriens des universités russes et soviétiques, directeur général du groupe Institut universitaire polytechnique d'Abidjan, professeur au département de recherche et, en mathématiques et en informatique, à l'université Félix Houphouët-Boigny, monsieur Gondo Yaki. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, c'est votre tour. Merci. Merci beaucoup monsieur le modérateur. À l'entame de mes propos, je souhaiterais, au nom de l'ensemble des Ivoiriens formés en Russie et aussi à l'UDN, transmettre nos salutations les plus fraternelle à Mme Larissa Efremova, qui est la vice-présidente et la vice-recteur chargée des relations internationales à l'Université russe de l'Amitié des Peuples, et qui est aussi par ailleurs la présidente de la Corporation éducative internationale Incorpus 21. Je souhaiterais aussi saluer la présence très remarquée de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Vadim Vladimirovich. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer Madame la ministre de l'Environnement de la République du Rwanda, professeur Jean Dac, qui, malgré son agenda très chargé, a bien voulu se joindre à nous pour participer à cette présente table ronde. Et je voudrais aussi m'adresser à l'ensemble des jeunes africains qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Mali, de la Guinée, des îles Seychelles, qui ont bien voulu se présenter pour être sélectionnés, pour participer, pour continuer leurs études à l'UDN. Je les encourage à postuler, parce que le choix de l'UDN, c'est le meilleur choix. Je crois qu'ils trouveront à l'UDN tout ce qu'il faut comme matériel didactique, matériel de formation, pour avoir une formation de qualité de haut niveau qui leur permettra, à leur retour dans leur pays respectif, d'occuper une place de choix, comme ce fut le cas pour nous, qui avons fini nos études en Russie, surtout à l'UDN, et qui occupons aujourd'hui des postes de responsabilité tant dans l'administration publique que dans le domaine politique. Pour rappel, j'ai terminé mes études en 2003 et je suis automatiquement rentré dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où j'ai automatiquement commencé à travailler comme enseignant à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Et après, j'ai été recruté par le ministre du Plan et du Développement en qualité de conseiller technique. Quelques mois après, j'ai été nommé directeur et un an après, j'ai été nommé directeur général du Développement des Capacités Nationales. Ça, c'est une grande responsabilité, mais les bagages intellectuels que j'ai eu à obtenir au niveau de ma formation, pendant ma formation à l'UDN, m'ont beaucoup permis de pouvoir faire face aux défis que m'imposaient ces fonctions. Actuellement, je suis le directeur général de l'Institut Polytechnique, l'Institut Universitaire Polytechnique d'Abidjan, qui est une grande école privée au sein de laquelle se trouvent trois grandes écoles. Et c'est une école qui compte signer des accords de coopération avec l'UDN. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui participent à la présente plateforme. Et je tiens aussi à encourager les jeunes africains à venir s'inscrire à l'UDN. Parce que l'UDN, c'est une école d'élite, c'est une école où l'enseignement est de qualité, et c'est une école où ils se sentiront en famille, parce que là-bas, il y a plusieurs communautés, des communautés africaines qui vont mieux les encadrer, qui vont mieux les diriger dans leurs études. Je vous remercie.
Merci, monsieur. J'espère vous connaissez notre rencontre à Moscou. Je vous salue et je vous remercie pour votre discours. Dites-moi, s'il vous plaît, les participants, est-ce que vous avez des questions pour monsieur Gondoyaki ou pour nous? Pas de questions. Alors, je donne la parole au président de l'Association des universités russes et soviétiques au Cameroun, diplômé exceptionnel de la faculté d'économie de l'Université Rodéenne, M. Ngan Tony François Simon Pierre. S'il vous plaît. Bonjour et merci de m'avoir la parole. Bonjour, merci spécial à Mme Larissa Fremova, visiteur chargé des relations internationales de peuple. Je transmets mes salutations au grand bâtisseur de cette université, le professeur académien Vladimir Klipov, qui est au président de l'université, et surtout vos recteurs qui étaient élus de nos très riches universités. Pour tous les participants, et remercier surtout l'ambassadeur de la Fédération de Russie Cameroun, que je vois en ligne là, Anatou Bashkin, mais aux excellents ambassadeurs de la Fédération de Russie qui sont en ligne des autres pays africains, très chers futurs étudiants africains qui veulent étudier à l'Université de la Michibeuve, très chers anciens étudiants camerounais, des investisseurs et soviétiques. Je me nomme, comme on vous l'a bien dit, M. Antoine François Simon, président de cette association des étudiants des investisseurs soviétiques. Je suis au communiste. Je vais saluer la présence du professeur Thoé Flavin, secrétaire général de notre association, professeur à l'Institut de droit, M. Steve Siki, qui est un étudiant d'Eden aussi, mais qui est conseiller politique du ministre de l'Immigration du Canada, au professeur Long Lamsial, qui est aussi finissant ancien étudiant d'Eden, qui est aujourd'hui professeur plein d'une université américaine, et puis tous ceux qui sont ceux qui ont été formés à Eden. Je ne fais pas langue de voix pour parler de cet amour que nous avons pour cette université qui est unique à son genre. Très cher étudiant, c'est le une de vos bienfaits pour recevoir une éducation, formation. Je parle d'éducation et de formation parce que c'est une université à ce genre de monde entier où vous trouverez un monde en miniature, près de 160 pays, des ressortissants de 160 pays, ils fréquentent chaque année continuellement. Vous ne verrez pas pareil dans le monde entier. Alors, c'est un J'ai remarqué que nous avons des problèmes techniques. Quelque chose ne va pas tout à fait bien avec la communication technique. Je remercie M. Ngan Tony François Simon Pierre pour son intervention. J'espère que nous avons bien compris ce qu'il a nous raconté et serait très intéressant pour nos jeunes collègues. Je pose la question, est-ce que vous avez des questions pour intervenants? J'espère que la communication va être rétablie ou bien pour nous.
Dans ce cas, je pose la parole au président de la communauté des étudiants burkinabés et diplômé de l'université russe, M. Traoré Mamadou. S'il vous plaît, monsieur, on vous écoute. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, on ne m'entend pas. Oui, parlez, s'il vous plaît. Ah, vous m'entendez, merci beaucoup. Je vous remercie. Comme le modérateur l'a dit, je suis Traoré Mamadou, le président des anciens étudiants et stagiaires de l'ex-Union soviétique au Burkina Faso. Et je remercie beaucoup les organisateurs de cette table ronde, commencé par le modérateur et ses autres collègues. Nous sommes très heureux vraiment de pouvoir échanger avec vous à partir du Burkina Faso. C'est une opportunité que nous attendions depuis très longtemps pour vraiment échanger avec vous. L'engouement est de taille au niveau du Burkina Faso. Et depuis que nous sommes rentrés dans les études de l'ex-Union soviétique, les postes que nous occupons, que ce soit au niveau de l'État ou bien dans le privé, entre cet engouement-là, la part de nos compatriotes, ce qui fait que beaucoup veulent aujourd'hui étudier en Russie. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a dit pour l'anniversaire de Rouden, j'ai voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons nous arranger pour pouvoir faire venir des étudiants en Russie, particulièrement à Rodin pour les étudiants. Et on m'a dit que oui, ça peut aller. Il suffit d'entendre les étudiants qui restent volontiers-là. Comme l'ambassadrice l'a déjà dit, Rouden permet vraiment de répondre aux attentes de leur pays. Très content de pouvoir envoyer des étudiants à Rouden, des candidats avec nos présentements questions pour avoir de plus en plus d'informations. Au Burkina Faso, nous avons essayé de voir, en tant qu'anciens étudiants, au moins dans la sous-région, nous pouvons constituer une association qui puisse regrouper les pays de l'Afrique de l'Ouest pour échanger, afin de voir comment nous pouvons collaborer avec la Russie. Donc, je ne serai pas aussi long. Je pense que mes prédécesseurs ont dit pas mal de choses. Je risque de me répéter pour je ne peux vous dire que merci, tout, mais qu'il en aura encore d'autres qui va nous permettre. Je m'excuse pour nous tous. Nous avons toujours des problèmes au niveau technique. Malheureusement, Monsieur Traoré Mamadou, on a perdu votre image au cours de votre discours, mais on vous a écouté attentivement. J'espère que vous êtes toujours sur la ligne. Moi, je pose la même question. Est-ce que vous avez les participants des questions à M. Traoré Mamadou ou pour nous, ici présents à Moscou, à l'Université Rouden, s'il vous plaît? Donc, je vois que
jusqu'à maintenant, on n'a pas encore arrivé de former des questions vis-à-vis de nous. Donc, si vous permettez, en conclusion de notre réunion, il y a un intervenant représentant de l'Association des étudiants étrangers de Russie à Rouden, M. Khuegbeadana Fofonin Apollinaire. S'il vous plaît, messieurs, on vous écoute. Espérons que la ligne sera stable. On vous écoute. Chers amis, malheureusement, nous avons des problèmes techniques au niveau de technique. On essaie de faire quelque chose. Allô? Oui? Allô, on vous écoute? Oui, vous me recevez? Oui, je suis là. D'accord. Bonjour tout le monde. Donc, toutes mes excuses pour le problème technique. Et j'espère que vous me recevez maintenant. On vous voit, on vous écoute. Ok, merci. Donc, je disais tantôt que je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à cette table ronde en tant que représentant des étudiants étrangers en Russie et de Rouden. Je profite de l'occasion pour remercier l'Université russe de l'amitié des peuples Rouden et d'avoir accepté mes dossiers quand je postulais, de m'avoir accepté à être leur étudiant et de m'avoir donné l'occasion de mieux connaître le monde. Parce que je n'ai pas regretté mon inscription à Rouden, parce que Rouden m'a permis de connaître le monde. Et j'ai eu affaire à connaître et à faire connaissance des autres cultures, et ça, tout ça, c'est grâce à Rouden. Donc c'est l'université qui peut faire de nous un diplômé international. Nous sommes fiers d'être étudiants, d'être un produit fini de Rouden. J'aimerais tout simplement, pour ne pas répéter ce que les prédécesseurs ont déjà dit, j'aimerais dire que les amis, les frères, nos compatriotes qui s'intéressent, qui ont le souci d'aller étudier à l'extérieur, moi je peux leur recommander vivement, sans regret, l'Université russe de l'amitié des peuples, Rouden, qui va leur permettre déjà ici ou bien en ligne ou bien à distance, qui va leur permettre de ne pas se soucier de la formation professionnelle que cette université va leur offrir. Donc, c'est une opportunité pour venir constater que l'université russe regroupe tout le monde entier. Je remercie les organisateurs d'avoir organisé cette plateforme pour faire connaître aux jeunes étudiants, aux jeunes bacheliers qui s'intéressent à voyager, qui s'intéressent à venir étudier, mais qui ne savent pas comment s'y prendre et par où passer pour s'inscrire. Donc c'est vraiment une opportunité et je dis qu'il faut les encourager
on peut leur recommander et leur dire de s'inscrire, de passer par les liens de l'université pour envoyer leur dossier et s'inscrire et venir constater les faits, les bienfaits de notre université. Merci beaucoup, je vous remercie pour cette opportunité. Je vous remercie beaucoup, monsieur Apollinaire. En tant qu'ami, je vous adresse Apollinaire. Nous n'avons pas vu depuis longtemps. J'espère qu'on se voit assez vite. Si vous avez nos collègues qui nous écoutent attentivement, j'espère. Si vous avez des questions à M. Fofanin Apollinaire ou bien pour nous, nous attendons les questions, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Je peux intervenir là? Oui, c'est ça. Donc, présentez-vous, donnez nos informations sur vous et de quel pays vous appelez. Merci. Ok. Je me présente. Je suis Laï Moussa Kalé. Je suis un citoyen guinéen. Je suis actuellement à Moscou. Je suis en Russie depuis 2007. Dans le cadre d'un programme de formation de master que j'ai terminé cette année à Rangix, l'Académie présidentielle. Et je poursuis mon doctorat et j'ai été admis en tant que boursier à l'Université Rouden. Donc j'ai attendu, j'ai écouté attentivement avec intérêt toutes les interventions. C'est vrai, la Russie n'est pas méconnue par moi, mais Rouden sera une nouvelle expérience pour moi. Et avec tout ce que j'ai vu comme présentation, vraiment, ça me rassure par rapport au choix de cette université. Je voudrais faire quelques interventions parce que beaucoup ne sont pas en Russie. Et nous qui avons vécu l'expérience, je pense que notre avis aussi peut compter sur comment la vie en Russie peut se préparer pour bien affronter. Donc c'est un pays que j'aime déjà, la Russie. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire russe à travers Pierre le Grand, la grande histoire à travers les stars. Donc j'ai beaucoup aimé les personnalités russes. C'est la raison pour laquelle que j'ai choisi la Russie. Donc d'abord, la mentalité russe qui m'a séduit beaucoup depuis mon pays, la Guinée, qui est un pays bon, que tout le monde connaît avec ses dirigeants nationalistes, Stékou Touré et consorts. Donc, nous avons grandi dans cet esprit panafricain et pour nous, la Russie est un allié naturel. Donc, comme vous l'avez dit, l'université Patrice Lumumba, Lumumba qui n'est pas méconnu par les citoyens africains, on sait tout ce qu'il a fait dans la lutte de libération de l'Afrique. Donc pour nous, Rouden est vraiment une prédilection naturelle. Voilà, donc je voudrais leur dire comme la dame rwandaise a signalé, ici vous pouvez apprendre à aimer votre pays. Vous pouvez apprendre à être discipliné. Vous pouvez apprendre à être rigoureux sur des principes. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, si les études sont très sérieuses, là, il faut que les gens soient préparés à ça. C'est vrai, on a montré des belles images, on a montré des salles de foot, tout ça, mais préparez-vous à l'endurance. Parce que d'abord, la faculté préparatoire est une faculté très difficile pour ceux qui n'ont jamais appris la langue russe. C'est une langue très difficile à apprendre, mais avec le courage, on peut surmonter. Donc, ne venez pas comme si tout était fait déjà. Préparez-vous à l'endurance. Ce n'est pas du tout facile. Je sais que les autorités ici présentes ne vont pas vous dire tout ce qui vous attend en termes
de densité au niveau des études. Mais nous qui avons passé cette étape, nous pouvons vous rassurer que, voilà, et il faut beaucoup s'armer de courage et d'abnégation. Voilà, donc je parle de tout ça parce que j'ai une double casquette. Je suis responsable d'une organisation ici qu'on appelle le Forum international panafricain. Nous avons participé récemment à Sochi au sommet Russie-Afrique. Monsieur Traoré du Burkina, que je découvre maintenant, est déjà membre de notre organisation. Il est notre représentant au Burkina Faso. Donc, on a eu des entretiens lors des 60 ans d'anniversaire de Rouden. Donc, nous œuvrons dans le cadre de la promotion des relations russo-africaines parce que nous pensons que l'Afrique a besoin de la Russie pour faire face à toutes les tentatives de domination de l'Occident. Donc, nous sommes dans cet esprit. Nous sommes des panafricains, nous avons des objectifs dans ce sens. Nous comptons organiser même un forum panafricain et c'est l'occasion pour nous, déjà l'opportunité nous est offerte. Je pense que M. Traoré peut appuyer dans ce sens, de nous permettre d'organiser cette édition, pourquoi pas, à Rouden. Parce que nous avons déjà tenté une fois et qu'on n'a pas réussi avec toute la maladie qui est là. Donc, c'est pour dire à nos frères africains qu'on peut vraiment réussir en Russie. On peut réussir en Russie. Donc, je vous donne mon exemple. Je suis venu, je n'avais pratiquement rien, je ne connaissais personne. Mais aujourd'hui, je dirige cette organisation ici. Mais c'est le travail, c'est le courage. Parce que si vous ne validez pas l'année préparatoire ou bien le reste des cycles, vous risquez de vous faire expulser. Voilà, donc on connaît la Russie pour la rigueur. C'est pourquoi nous avons choisi la Russie. Donc je recommande aussi les études en ligne qui ont été vraiment proposées pour plusieurs raisons. D'abord, il faut venir déjà préparer par rapport à la langue russe. Et vu que vous devez faire face à certains coûts ici, donc si vous avez la chance de faire ces cours sur place, ça vous permettrait de diminuer certaines dépenses liées à l'hébergement, au transport, à la nourriture sur place. Et pourquoi pas après l'obtention du certificat de langue, venir poursuivre la formation proprement dite. En tout cas, moi, je recommanderais à tout le monde de choisir la formation en ligne. Parce que l'une des particularités aussi, c'est que, voilà, vous avez besoin de beaucoup d'argent pour essayer de survivre. Ça, c'est partout dans le monde aussi. Donc, si vous pouvez faire des économies en étant chez vous et en apprenant la langue russe, je pense que ça serait une très bonne chose. Donc, pour ne pas bouleverser le programme déjà établi, je tenais à dire ces quelques mots et je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. C'était très intéressant et très aimable de vous écouter. Je crois que vous faites une publicité, si vous voulez, de formation en Russie, de la Russie en général, de sa riche histoire. Et votre exemple vraiment transparent qui peut fortement aider jeunes candidats dans des pays africains. Donc, je vous remercie, monsieur. Vraiment, c'était très intéressant et touchant, je disais. Donc, je passe la parole à mon collègue Astemir Makouachev, qui va répondre à quelques questions que nous avons reçues. Sur quelques questions, nous avons répondu par les voies des messages électroniques. Et quelques questions, on est prêt à répondre au micro. Merci. Merci, Valérie.
Donc, nous avons reçu une question concernant des Olympiades. Vous pouvez trouver l'information sur le chat. Nous avons envoyé toutes les informations et les sites où vous pouvez vous inscrire. Donc, aussi, on a demandé si ils peuvent, si vous pouvez partager vos avis. C'est sûr que nous serons heureux de vous écouter, de vous voir. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez dire quelque chose, nous serons heureux de vous écouter. Merci. S'il vous plaît, encore une fois, je vous propose de formuler vos questions si vous en avez. S'il vous plaît. Je vois que ce n'est pas toujours le cas. Vous n'avez pas encore de questions ou bien vous n'avez pas encore les formulées. Espérons que vous allez les formuler et s'il vous plaît, envoyez-les sur les adresses électroniques que vous avez vues et j'espère enregistrées. Et dans la situation, si vous n'avez pas de questions, dans ce cas, je vous remercie pour de l'intérêt que vous portez à l'université. Je vous remercie pour votre participation à la réunion d'aujourd'hui, notre table ronde. Je vous prie de tous les participants d'éteindre vos microphones. Et avant de nous séparer, vous attendrez l'hymne de Rouden et je vous dis au revoir. Merci.